Jamal n'était pas chef de guerre. Il était président. C'était le président élu démocratiquement. Ouais, et alors? On n'est pas des politiciens, on avait des ordres. Tu savais que je l'aurais jamais tué. Alors tu m'as menti. Bienvenue à la CIA, Judy. On n'est pas des enfants de cœur, au cas où t'aurais pas remarqué. On avait un job à faire et on l'a fait. Judy! Je crois que je la vois! Je vais pas m'en sortir. Dis-moi où est-ce que tu es. J'arrive. J'arrive tout de suite, Jody. Jody. Ok, qui est là? Je deviens fou, quoi.
Jody, non! C'est à croire que tu te réveillerais pas. Où est-ce qu'on est? T'es chez moi, petite. Pas très luxueux, mais... c'est calme. Je t'ai trouvé dans la rue, il y a quelques jours. J'étais mal en point. Vous vous êtes occupé de moi? Tu parles, il fallait bien. Pas te laisser là, crever comme un chien dans la rue. Je m'appelle Stan. Et toi? Jody. Bienvenue dans le monde des vivants, Jody. J'aime avoir de la compagnie de temps en temps. Tu veux du café? Il est fort, il a un sale goût, mais... chauffera. Attention, c'est chaud. Ça fait longtemps que t'es à la rue, petite. Oh, juste... depuis quelques jours. Ah ouais. T'as l'air mal pour quelqu'un qui est à la rue depuis quelques jours. Ça va faire 3 ans pour moi. Je sais pas combien de fois je me suis dit que j'allais... disjoncter. Péter les plombs, tu vois. Mais faut croire qu'on s'habitue à tout. Même à vivre avec le rien. Tu fuis quelqu'un? Tes parents? Petit ami, un truc comme ça? Non, je crois que... c'est moi que je fuis. Comme nous tous, petite. Comme nous tous. Mais le problème... c'est qu'on peut jamais partir assez loin pour oublier qui on est. T'as un endroit où aller? La famille? Les amis ou les proches? J'ai pas trop envie d'en parler. T'as raison, je suis désolé. Désolé, c'est vraiment pas mes oignons. Reste ici si tu veux. J'ai pas grand-chose, mais... ce qui est à moi est à toi. Merci. Salut. Salut. On n'a plus rien à manger.
Va falloir faire quelque chose. Tu... veux voir comment ça marche ici? Faut qu'on se fasse $5, et ça c'est pour un truc chaud. Mets-toi ici. Peut-être qu'avec le froid, les gens seront plus généreux. Combien de temps il faut pour se faire $5? Bah, ça dépend de la générosité des gens. Je dirais, peut-être 2 heures. Ou une semaine. Stan, je crois que ça sert à rien qu'on reste tous les deux au même endroit. Ouais. Je vais aller essayer par là. Bonne chance. J'ai aussi envie d'une pizza. C'est que de la bouffe. C'est trop dur. Je lui ai dit qu'il pouvait partir s'il n'était pas content. Et alors ? Bien fait pour lui. Je suis désolé. Tiens. Il commence à faire nuit. On devrait aller voir Stan. Ça va ? Pas top. Et toi ? Allez, bien loin. Allez, c'est pas grave. Reste ici, je vais voir ce que je trouve, ok?
gagné à la loterie, espèce d'enfoiré. Je veux pas d'emmerde. Des emmerdes? Des emmerdes? T'es pas très respectueux, mon vieux, on a l'air de filer des emmerdes. On avait l'air de chercher les emmerdes. Allez, les ça aide. Ouais, c'est tout pour mon mec. Merde. Vous avez vu? Comment je vais exploser la tronche à ce sale connard? Reculez, je vous ferai pas de mal. Regardez. On dirait que ce putain de clodo a une petite copine. Pimside, on va te montrer ce qu'on fait au raclé dans ton genre qui squatte dans la rue. Petite casse. D'ici. Oh, et... Comment t'as fait ça? J'ai appris à me battre à l'armée. Non mais... Ils étaient quatre ces mecs. Et t'étais toute seule. Oh, quatre losers. Ils savaient pas se battre. Allez, on ferait mieux de se tirer avant qu'il y aille. Ok. Oh. Allez les gars, c'est prêt. Sers-toi, Johnny. J'espère que t'aimes le ton, parce que c'est tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Stan? Je me suis battu. Et sans Jody, j'y serais resté. Vous auriez dû voir ça? Ils étaient quatre contre nous. Jody leur a botté le cul. C'est pour quand ton bébé? Le mois prochain. Ça fait des jours que je l'ai pas senti. J'espère qu'elle va bien. Son petit ami l'a tabassé. Il voulait pas du bébé. Il l'aurait sûrement tué. J'ai vraiment trop froid. La drogue. Comment t'es arrivé ici? Ben, j'étais prof dans un lycée. Jusqu'à ce que je puisse plus rembourser mon prêt. J'ai perdu ma maison, mon job. Tous mes amis, et je me suis retrouvé dans ce cul-de-sac. Vous êtes là depuis longtemps? Ben, j'ai trouvé le pont il y a environ 6 mois. Je suis tombé sur Walter. Jimmy est arrivé. Tuesday est ici depuis quoi? 3 semaines? Et toi alors, Jody? Tu nous as presque rien dit sur toi. Alors, comment est-ce que tu as fini dans la rue? J'ai fait des choses dont je suis pas fière. Jusqu'à ce que je comprenne qu'on se servait de moi. Je sais que ça va paraître très étrange, mais je suis différente. Et ça a foutu toute ma vie en l'air. T'as dit que t'étais différente, Jody. Comment ça? Je suis...
Je suis née avec un don. Ou ce qu'ils appellent un don. Mais c'est une malédiction. Ça m'a gâché la vie. Ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Un monstre. Une erreur. Quelqu'un que je déteste. Je dirais que Jimmy n'est pas le seul à avoir un problème de calme. Tu veux savoir comment va ton bébé? Donne-moi tes mains. C'est normal. Mais... comment tu le sais? Je le sais. Je l'ai vu. Moi, je vais aller retrouver ma boisson préférée. Merci pour la bouffe, les gars. Je vais aller m'allonger. Bonne nuit, tout le monde. Dormez bien. Carrément un hôpital! Non! Non! Non, pas l'hôpital! Ah! Ils vont prendre mon bébé! Non! Personne ne prendra mon bébé! Réfléchis une seconde, ma fille! Mais on n'a rien ici! On n'a pas de couverture, d'eau chaude! On n'a que dalle! Mon bébé! Ah! Non, je veux pas que mon Chut. Bébé meure! Attends! Calme-toi! Calme-toi! On va trouver un truc. Ok, Jimmy. Au bout de la rue, il y a un bâtiment abandonné. Essaie d'y entrer. Bah, j'y vais. Phil. Walter, tu vas rester ici avec Tuesday, ok? Jody, suis-moi. On va chercher tout ce qu'il nous faut. Et toi? Tu retiens ce bébé jusqu'à ce qu'on revienne, ok? Oui, je sais. Mais je vous préviens, vous avez intérêt à vous grouiller! Oh! Et viens, Jody! Qu'est-ce qu'on va faire? Tu connais un docteur? Non. De toute façon, on n'a pas d'argent pour s'en payer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute. Je veux que ce bébé ait une chance, même une toute petite chance de s'en sortir dans ce monde de merde. Je veux qu'il ait chaud et qu'il ait des couches, un biberon et des vêtements corrects comme tous les autres êtres humains. Pas question qu'il naisse dans les ordures sous un pont. Ok. Ok, c'est quoi ton plan? J'en ai pas. Mais on va bien trouver. Allez! Ok, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Il faut juste qu'on entre. Oh, bordel! Il y a bien un moyen. Il y a forcément un moyen. Ouais, je m'en occupe. Hein?
Et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Fais-moi confiance. Ok, l'alarme est éteinte. Ça nous évitera des problèmes. Il y a sûrement un interrupteur pour la porte de sécurité. Merde, mais comment t'as fait ça? Pas le temps de t'expliquer. Oh. Allez, on prend ce qu'il nous faut et on se tire. J'ai pris tout ce que j'ai pu. Ok, viens, on fout le camp. Allez. Ah, vous voilà. Venez vite. Elle a perdu les os. Vous êtes entré dans l'immeuble dont j'avais parlé? Ouais, t'es arrêté avec elle. Dépêchez-vous, faut y aller. Quelqu'un sait quoi faire? Sortez! Sortez tous! Sauf toi, Johnny! Oh, je veux que Johnny! Tu sais que j'ai jamais fait un truc comme ça avant. Oh, je sais, moi non plus, mais je tenais pas à ce que les mecs restent plantés là à me regarder pendant que moi je suis en train de crever de douleur! Ok, t'en fais pas, on va s'en sortir. Ça doit pas être si compliqué. Ok, laisse-moi t'aider à enlever ça. Je vais recouvrir ce vieux matelas. Respire, ok? Respire, tu sais. Continue de respirer. Inspire et expire. Inspire et expire. Mais je respire. Mais je fais tout ça, putain! Allez, pousse. Tu y es presque, ok? Tu t'en sors bien, ok? Tu t'en sors très bien. Je le vois! Je vois sa tête! Je vois sa tête! Allez, pousse! Pousse! Oh, t'as réussi, Tuesday! Bon, faut couper le cordon.
Allez, bébé. Jusque-là, bébé. Mais on va s'en sortir. Toi et moi. Je te le promets. Rien ne peut nous arrêter maintenant. Je vais chercher les autres. Zoé. Merde alors, elle est vraiment super belle. Hey, surveille ton langage, Walter. Elle comprend tout ce que tu dis. Non, elle est plus que belle. Elle est magnifique. Je serais pas arrivée sans vous. Et sans Jody. Walter est à cet étage. Jimmy, Tuesday et Zoé sont au-dessus. Ok, sors d'ici, je vais les chercher. Non, j'irai avec toi. Non, j'y vais seule. Mais... Je t'ai dit de sortir d'ici. Allez, saute! Si on ne peut pas bouger, on va devoir le forcer à bouger.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sors de là! Allez! Le bébé! Tu dois récupérer le bébé! À côté! Oh merde! Il doit y avoir un autre chemin! J'en reviens pas, t'es vivante. Oh. Je sais pas du tout comment t'as fait ça, mais c'était incroyable. Zoé, comment va Zoé? Elle va bien. Mais comment l'incendie a démarré? C'est dingue, hein, les gars? Un peu d'essence, un briquet, les rats qui toussent le navire. Je déteste les fins joyeuses. Je t'avais bien dit qu'on se reverrait plus tard. Laissez-la tranquille. Calmez-vous, les cafards. Tu joues moins les héroïnes, hein? Yeah. Non! Non! Et ça, Ed? Ouais, mec, c'est dans la boîte. Ok, allez, on se taille. Salaud! Ah!
C'est pas vrai. De l'oxygène. Il faut de l'oxygène. Merde. On va la faire. S'il te plaît, ne laisse pas. Voilà. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Bien? Ok, on va te mettre ça, ça. Tu te rappelles? C'est comme une couronne. Je t'ai dit non, inutile d'assister. Tu ne me crois pas changer la vie, Tadeu. Pour la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme ça, mais pour Dieu, il y a des règles. Quoi, là? Tu ne crois jamais. Il faut que tu fasses à ce sujet. Mais tu es là, la tête est là. Non, je m'en vais, même toute petite chose à s'en sortir dans ce monde de merde. Je veux qu'il y ait chaud et qu'il y ait des couches, un biberon et des vêtements corrects, de comme... Je suis morte. Juste une fois. Mais c'est ma petite fille. Ramenez-la. J'ai changé d'avis. Je veux mon bébé. Vite, vite. Faites sortir le bébé d'ici. Je vous en supplie, laissez-moi la voir. Je veux mon enfant. Pitié, laissez-moi la voir. C'était qui, cette femme? Pourquoi est-ce que tu me montres ça? C'est ma mère. C'est l'avenir, ça. Aiden ? Pourquoi Aiden? Je voulais pas revenir.
Oui, c'est elle. Commotion et fracture du crâne. Elle est dans le coma depuis plusieurs mois. On peut la voir ? On est de la CIA. Cette fille est recherchée pour trahison. Donc, on a un mandat d'arrêt, si c'est ce que vous voulez. Ok. Vous pouvez la voir. Où est-ce qu'elle est ? C'est bizarre, c'est sa chambre, elle devrait être ici. Merde ! Elle est sortie par la fenêtre. Non, c'est impossible, on est au cinquième, elle a pas pu sauter par la fenêtre. Donnez l'alerte, cette fille ne doit pas s'échapper. Madame ? Est-ce que ça va ? Madame ? Je vous ai trouvée toute seule au bord de la route, au milieu de nulle part. Vous avez eu un accident ? Est-ce qu'on a essayé de s'en prendre à vous ? Un nom, par exemple. Quelqu'un à contacter. Vous devez avoir de la famille, des amis. Quelqu'un qui pourrait me dire qui vous êtes. Eh. Vous n'êtes pas bavarde, hein ? Si vous m'aidez pas, je peux rien pour vous. À rien. C'est une cicatrice. Elle est récente. Vous devez les empêcher d'intervenir. Ils sont complètement dépassés sur ce coup. Dites-leur d'attendre que j'arrive. Bon sang, alors rappelez-les immédiatement, vous m'entendez ? Vous devez absolument les en empêcher. Imbécile, quel mot d'imbécile. Je sais. Ils arrivent. La fille que vous avez ramenée, où est-ce qu'elle est ?
Écoute, je suis complètement crevée, là. Et j'ai soif. Et j'ai aucune putain d'idée de l'endroit où on est. Alors vas-y, sois sympa et fous-moi la paix, ok? On va bientôt s'arranger. On est complètement paumé. Je vais crever de soif. Et on est vraiment dans la merde. Mais ça va s'arranger. Laisse-moi tranquille, Aiden. Quoi ? Ça va, Aiden. Y a pas de raison d'être nerveux. Je cherche juste un endroit où passer la nuit et je me demandais si... Tu peux pas rester ici. Désolé. Est-ce que je peux passer la nuit dans la grange? Je t'en prie, allez, je te promets que je serai partie demain matin. Je t'ai dit que tu pouvais pas rester. Tu dois partir maintenant. C'est bon. Tu peux dormir ici. Viens. Comment tu t'appelles ? Jody. Je suis Paul. Voici mes fils, Corey et Jay. Ma mère, Shimasani. Ne sois pas surprise si elle ne répond pas. Elle n'a pas parlé depuis des années. On allait justement dîner. Tu veux te joindre à nous ? Oh. Oui. Oui, merci. Thank you.
vois pas beaucoup d'autostoppeurs ici. Je peux savoir où tu vas ? Je vais juste de ville en ville. J'ai pas de plan. Je vois. Vous êtes... des Navarro, c'est ça ? Des Dinets. Ça veut dire le peuple en Navarro. C'est comme ça qu'on s'appelle. C'est le... premier ranch que je vois depuis des kilomètres. On était plus nombreux. Beaucoup sont partis en ville. La vie est pas facile ici. Vous êtes vraiment loin de tout ici. Ma famille vit ici depuis des générations. Je suis né ici. Et je vais sûrement y mourir. Je dis à mes fils de partir. Je sais qu'il n'y a rien pour eux ici. Mais ils veulent rester avec leur grand-mère et moi, alors. Dans ta chambre. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Retourne au lit. Tu partiras demain.
Tu avais l'air épuisé. J'ai dit au garçon de te laisser dormir. Merci. J'en avais vraiment besoin. J'ai fait du café. Je vais reprendre la route. Merci. On a vraiment beaucoup de travail à la ferme. Tu pourrais rester quelques jours et nous aider. Je ne pourrais pas te payer, mais tu aurais un toit et de quoi manger. Qu'est-ce que t'en dis ? Oui. Oui, pourquoi pas. Bien. Il y a des vêtements dans la chambre de Corey. On se voit dehors ? Prête à bosser ? Je suis toujours prête. Les moutons ont besoin d'eau. Tu peux t'en occuper ? Bien sûr. Alors, tu vas rester un peu ? Ouais, on dirait. Super ! Je veux dire, c'est cool d'avoir de l'aide. Merci, Johnny. Oh, tu peux prendre du foin dans la grange ? Aide-moi, Aiden. T'excite pas, Aiden. Juste une botte, pas besoin d'embarquer tout le stock. Jody ! On mange ! Ok, laisse-moi juste terminer ça. Pose là où tu veux. Merci, Jody. C'est l'heure de manger. Va rejoindre les garçons si tu as faim. Vous venez ? Plus tard. J'ai encore du travail. Ok, à plus tard.
Assieds-toi. Merci. Est-ce que c'est vrai que ta grand-mère n'a pas parlé depuis des années ? Ouais. D'après mon père, elle n'a pas dit un mot depuis la mort de mon arrière-grand-mère. Ça doit bien faire 30 ans. Il y a beaucoup de choses à faire au ranch. Ouais. Jay s'occupe des chevaux. Moi, je surveille les churros et mon père s'occupe de tout le reste. J'ai vu les moutons morts. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? La tempête. Ils ont quitté l'enclos et ils sont étouffés dans le sable. Tu sais, en ouvrant la porte hier soir, j'ai vu quelque chose. Je suis sûre qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas de quoi tu parles. C'était un rêve. Tu poses toujours autant de questions ? Quand je comprends pas quelque chose, ouais. Ouais ? Et si je te posais autant de questions ? D'où tu viens ? Ce que tu fais ici ? T'aimerais pas trop ça, hein ? Alors garde tous tes petits secrets. Et ne pose plus de questions. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Oh, t'en fais pas, Judy. Il est cool une fois qu'on le connaît. Si tu le dis. Bon. Je ferais mieux d'y aller avant que mon père s'énerve. À tout à l'heure. Bravo, Jody. Bonjour. Je m'appelle Jody et je vais rester un peu dans votre famille pour vous aider. J'espère que ça ne vous ennuie pas. C'est magnifique. C'est vous qui l'avez faite ? Autre chose à faire, Paul ? Non, mais les garçons ont peut-être besoin d'aide. Ok, je vais voir. Jamais entrer avec les autres. Ça t'ennuie que j'essaie ? T'es déjà occupé de chevaux ? Non. Fais-toi plaisir. Il s'appelle Ashki. Salut Ashki. N'aie pas peur, je vais juste venir par là, ok ? Non, Aiden. C'est entre lui et moi. Tu vois, Ashki ? C'est pas si mal, hein ? Admets-le. Tu m'aimes bien. Hé, hey, Aiden. T'as jamais voulu monter à cheval ?
Emmène-le à l'enclos. Comment t'as fait ça? On a tous nos secrets, non? Je t'ai peut-être mal jugé. Si tu veux prendre une douche, c'est derrière la grange. Les dames d'abord. Je dis pas non. Et après, le gars est parti en courant. Et vous savez quoi? On l'a plus jamais revu. Il est l'heure d'aller au lit. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux dire, pourquoi on doit verrouiller la maison? Va dans ta chambre, Johnny. Et n'en sors pas, quoi qu'il se passe. Tu te souviens du mouton hier soir? Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose.
Jody! Jody, je t'ai dit de rester dans ta chambre. Tu aurais pu te faire tuer. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était quoi ce truc? Tu aurais dû m'écouter. Et rester dans ta chambre. Non, vous devez me dire la vérité. Vous devez me dire la vérité maintenant. C'est Yeitsu. Il veut du sang. C'est tout ce qui l'intéresse. On ne peut rien y faire. On ne peut pas vaincre un esprit. Les esprits ne vivent pas dans ce monde. S'il est ici, il y a une raison. Potes, pas vrai? Je vais juste poser mon pied dans l'étrier et grimper, ok? Il faut que je comprenne comment avancer. Hé, hey, qu'est-ce que t'en dis, Ashki? On se débrouille pas mal, hein? Ce cheval va devoir me dire ton secret. Écoute, je vais au pâturage pour voir les churros. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Je sais que t'as pas envie d'en parler. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que l'esprit vient toutes les nuits? Il peut venir plusieurs nuits et ne pas se montrer pendant des mois. Mais il finit toujours par revenir. Et malgré tout ça... Enfin, ton père n'a jamais... Il a jamais voulu partir? Non. Pour lui, l'esprit est juste lié à ces terres. C'est comme les roches et le sable, une chose qu'on ne peut pas changer, alors il faut apprendre à vivre avec. Maintenant, à moi de te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu fais vraiment ici, au milieu de ce désert? On dirait que tu essaies de fuir quelque chose. J'essaie juste de savoir qui je suis vraiment. J'en suis arrivée à un moment de ma vie où... J'ai envie de faire le point sur moi-même. C'est tout. Tu es comme nous. Tu as aussi un terrible secret, pas vrai, Jody? J'ai quelque chose à te dire. Oh, c'est ça? Tu peux pas chier à... Ah, il y a un chien de riche. C'était Paul. Il n'y a pas d'eau au ranch, le puits doit avoir un problème. J'y jetterai un œil en revenant. Je peux aller jeter un œil si tu veux. Je sais pas si tu pourras faire grand-chose. Je me débrouillerai. Dis-moi où est le puits. Il est là-bas. Il a une éolienne. Tu peux pas le rater. Ok. On se retrouve au ranch. D'accord. À tout à l'heure.
joué, Aiden. La pompe refonctionne. Tu vois quelque chose, Aiden ? Les soldats du fort. Est-ce que c'est Yeitso ?
L'arbre fourchu. Je dois le trouver. Il n'y a rien ici. C'est quoi le rapport ? Des masques rituels. Ils ont été tués par l'entité. Merci, Aiden. Celui-là n'a pas de talisman. Le cinquième talisman. Il l'a mis autour du cou du bébé. Aide-moi, Aiden. Il faut que je voie ce qui est arrivé. Tout a défilé trop vite. J'ai rien pu comprendre. J'ai l'impression que tout est mélangé. On dirait qu'il manque quelque chose. Je vais montrer le talisman à Paul. Il sait peut-être quelque chose.
Qui est Itzo? Il est venu ici en plein jour. On a essayé de rentrer, mais papa... Papa est tombé. Ramène la caisse. Allez, allez, démarre. Démarre maintenant, saloperie. Elle démarre pas, Jay. Elle démarre pas. L'entité, elle vient par là. On doit regagner la maison. Je pense pas que ça nous aide. On n'a pas d'autre choix. Mon père l'a dit, on ne peut pas battre un esprit. Ici. Ils étaient perdus, pleins de haine envers l'homme blanc. Ils l'ont appelé pour tuer leurs ennemis et prendre leur revanche. Mais ils se mettent à eux. Ils avaient encore soif. Soif de sang. Et Itzo est revenu. Il est là pour prendre nos vies. Vos ancêtres. Ce sont les gardiens qui protègent la maison, pas vrai? Ils ont compris leur erreur, alors ils sont revenus pour nous protéger contre le mal qu'ils avaient libéré. S'ils ont amené l'entité ici, enfin, il doit bien y avoir un moyen de la renvoyer dans son monde. Ils ont suivi un rituel pour ouvrir le passage. Je me souviens encore de l'incantation, mais le rituel s'est perdu dans le passé. Je l'ai vu. J'ai vu le rituel dans ma vision. Je vais le préparer et vous pourrez m'aider à dire l'incantation. Fais vite! Il arrive. Un feu. Je dois allumer un feu juste devant la maison. Thank you.
chacun de vous doit se placer près d'un talisman. Il doit y avoir une âme rattachée à chacun d'eux. On n'est que quatre. Il y a cinq talismans. Il nous faut une cinquième âme pour finir le rituel. C'est de la folie, Johnny. On va tous mourir si on rentre pas tout de suite. Merde. Merde, il nous faut une autre âme. Shimazani, commencez l'incantation maintenant! Shimazani! Aucun homme blanc n'est jamais allé à l'endroit où je t'emmène. Mon peuple y enterre ses morts depuis plusieurs centaines d'années. Pour nous, c'est un lieu sacré.
Ce sont les ossements de vos ancêtres. Je suis sûre qu'ils auraient souhaité être enterrés auprès de leur peuple. Masani et ses ancêtres. Il est bien où il est. Ta décision est prise. Tu t'en vas ? J'ai encore quelques trucs à régler. Des trucs de mon passé. Je crois que je suis prête à les affronter. Tu as fait beaucoup pour nous, Jody. Pour nous et pour notre peuple. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, reviens nous voir. Tu es chez toi ici. Jamais, Cory. Ashki, tu vas lui manquer. Mais je reviendrai le voir un jour. Jody, tu pensais quand même pas y aller à pied, si. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi à la faire redémarrer. Vas-y, prends-la. C'est notre façon de te remercier.